à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 sur The Halt. Donc, faut savoir que je suis toujours au blé, que j'ai mis des nouveaux mods, et que je suis toujours au blé, ouais. Carrément, je suis toujours au blé. Donc j'ai réussi avec le porte-char, hein, je l'ai mis sur le porte-char rouge, et une fois que j'ai arrêté la vidéo, en fait, j'ai réussi à mettre la pelle dessus, et j'ai tout envoyé là-bas. Donc j'ai un petit peu préparé l'épisode, comme d'habitude, j'aime bien préparer mes affaires. Et j'ai mis des nouveaux mods, vous allez voir, plutôt sympa. Du moins j'espère que quand je vais les acheter ils vont être plutôt sympas parce que ils ne font pas planter la partie. Et d'abord je vais vider ma moissonneuse, elle est toujours pleine. Et après on va aller attaquer le bois, donc on va aller déjà faire nos petits chemins avec notre bulle. On va peut-être charger un camion de bois, pourquoi pas, un petit camion de bois, ça pourrait être sympa. Et tout en continuant les cultures, parce que voilà, les cultures c'est très important, de ne pas les laisser faner. Du moins ceux qui sont déjà mises, je vais les récolter après, à voir. Est-ce que je tourne l'épisode à la suivre? C'est pour ça, bah à suivre, longtemps après, mais je n'ai pas encore, j'ai pas encore mis le premier épisode, donc je ne sais pas si vous voulez que j'aille continuer les cultures, donc j'aurai bien dans le premier épisode ce qui aura été marqué, et comme ça, hop, moi je puisse en fait savoir si je commence à mettre des semoirs et tout ça. J'ai trouvé un nouveau Dutch aussi, le lien sera sans doute dans la description. Je ne sais plus d'où il vient, je crois que c'est de Big Boss Modding. Je vais le mettre directement sur la partie aussi. Il faut savoir en fait qu'il y a une sorte de site où on... C'est un site internet où on peut télécharger... comment dire, on peut télécharger tous ces mods en fait, ces projets, ces mods en cours, sur quoi ils travaillent et tout. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est comme ça que j'ai trouvé celle-là. Il a aussi une cater en brosse batte. Il a les, bah, les John Deere, hein, vous les connaissez maintenant. Hein. On ne les cite plus. Et des modes John Deere aussi. Ah, tiens, c'est marrant ça. Voilà. Ah non, ça ne prend pas. Ça va être comme ça, hein, ça va être plus simple. Voilà. On va attendre qu'il est vide. Je vais acheter mon petit Dutch. Donc voilà, c'est un 120 MK. Donc, ah, on ne peut pas l'acheter, trop cher. Trop cher. Il y a le T9 qui vient de chez lui aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des roues. Alors, ça c'est tout. Est-ce que c'est rien d'autre que j'ai mis là? Ah, j'ai rien mis d'autre. Ok. En chargeur, j'ai mis quoi? Est-ce que j'ai changé quelque chose? Je ne sais plus. Je sais qu'en faucheuse, j'ai changé. Alors, en faucheuse, j'ai mis des trucs. C'est je ne sais plus ce que je mets. Ah là, alors là ça sera le broyeur pour nettoyer autour les arbres. Ça c'est la faucheuse, c'est les faucheuses ça. D'accord, le reste doit être dans l'hiver je pense. On a de l'argent. Bon, on a de l'argent au cas où. Ah oui, oh, regardez-moi ça. Ça c'est pour le Forest Mode. Ouh, trop beau. Trop beau, le lien est dans la description les gens. N'hésitez pas à aller looker la description. Ah tiens, il a pas pris le mode, tiens. Allez sinon, tiens. Mode par marque. Attendez, je regarde, j'ai un super mode là. Je l'avais présenté vite fait une fois dans la fin de l'estream, mais il nous avait fait planter sur le serveur. Alors, je voulais vous le montrer, et là je le trouve pas. C'est une énorme faucheuse. Il y a celui-là aussi que j'ai pris, des chômeurs, il vient juste de sortir à l'instant, on va l'acheter. Bah merde alors, ça c'est plutôt con ça. Attendez, hein, je cherche. Bah sinon si je l'ai zappé. Hein. Bah pourtant je suis sûr à 99% de l'avoir mis. Je l'ai mis, chef, là. C'est pas dans le moment de façon. Et ça, celle-là va devant, mais en fait c'est celle de derrière qui m'intéresse moi. Bon, bah écoutez. J'ai pas dû le mettre. Bon bah écoutez, ça arrive. J'ai picolé. Déjà celui-là j'achète aussi. Retour. Donc l'autre on en a pas besoin pour l'instant, on n'a pas attaqué le Forest Mode. Donc tant qu'on n'a pas attaqué le Forest Mode, l'énorme camion,
Mais il va nous servir à rien. Il va nous servir à rien pour l'instant. Oh, pardon. Je me suis trompé de touche comme un âne. C'est parti. Je devrais gérer là l'ouvrier. Ouais. Donc. Voilà. Donc nous on retourne ici. Je pense faire un camion de bois quand même. Histoire 2, donc vous voyez, hein, j'ai toujours ma pince, je chope les morceaux de bois, je vais mettre mon camion là-bas. Et puis là, pour l'instant, je vais juste passer un petit coup avec mon bulle. Donc le bulle qui vient de chez TP Simulation, il faut s'inscrire. Je me répète, il faut s'inscrire et faut se présenter. Et une fois que vous êtes présenté, il faut être un membre actif. Donc pour être membre actif, il faut répondre à 15 commentaires ou créer 15 commentaires, un truc comme ça, bref. C'est un truc du genre. Ça, moi, ça va me permettre d'avoir des chemins corrects pour pouvoir monter, même si ça sert à rien. Je vous dis, moi, c'est bon. Là, je m'amuse. Là, franchement, je vous dis, je m'amuse avec mon bulle. En plus, ça fait plutôt sympa. Au moins, on saura tout le temps où est la route réellement, où on est tout en bas. Ouais, la route. Je suis la route. Plus d'excuses que le tracteur patine. Excellent. Il en chie mon truc. Non mais réellement il en chie. Hein. C'est parce qu'en fait voilà, je suis un peu en biais, alors il a tendance. Il braque pas mal. Hein. Franchement celui-là il est trop classe. Ah il veut pas passer là. Là il passe pas. Voilà, là il va passer. Voilà. C'est très énorme. Si vous avez des modes bulles comme ça, mais tentez, vous allez voir, c'est une expérience, c'est magnifique. Là, je pense que l'arbre est plus... Je sais pas. Voilà, c'est pas chier, c'est pas chier. Ok, ok, je m'en vais. Oh, regardez, il vole. Il a du mal, c'est le terrain, il est pas plat, alors il est pas content. C'est quoi ton problème là? Tenter de faire une belle ligne droite quand même. Oh, pourquoi il m'a fait ça lui? Et où? Ouais, il est pas content, on dirait qu'il se plaît pas dans la petite forêt là. On va essayer de reculer. Au moins j'arrive à faire une assez grande ligne quand même, puisque le tracteur est quand même est plutôt pas mal. Il est grand. Hop. Allez, on y va en première. Voilà, super. On n'a plus qu'à semer de l'herbe après. Hein. Au pire, on peut semer de l'herbe. Hein. Il suffit que je défonce tout le terrain comme ça, je sème de l'herbe. Tranquille. Parce que là, à la base, il n'y a pas d'herbe, hein. Ça ne pousse pas normalement. Mais là, il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit de travailler tout le truc comme ça. Même. Et après, vous êtes peinard. Je vais poser mon bulle là, parce qu'il a un peu de mal quand même sur mes... Ah non, on peut pas dessoucher les arbres avec. Ça aurait été trop bien. Ça aurait été trop beau. Je sais pas ce qu'il fait. Hop là. Oh furie. Il a du mal, mais allô quoi. Voilà. Allez, on va vers là. On va le ranger là. Super, merci, t'as fait du bon travail, même si t'es un petit peu bugué un peu parce que c'est pas plat. Voilà, donc maintenant on est moins emmerdé. On peut prendre le tracteur. Regardez, ça lui fait une petite route bien sympa. Faut vraiment que j'arrive à aller jusqu'en bas. Et voilà, super. Donc on a dit que c'était la touche 7 pour mettre de l'ensilage et ça pour mettre des doubles roues. Et là je vais pas mettre des doubles roues parce que si je mets des doubles roues alors que j'ai besoin d'aller chercher du bois, on va aller en vue intérieure, ça va être impressionnant. Ouh. En vrai tu fais pas ton malin là. Oh là là.
Donc on va essayer de trouver deux petits arbres. Si on peut se prendre... Regardez là, quand on va faire les petits chemins, ça va être sympathique. Je vais le faire passer hors caméra, parce que là, en caméra, de le faire bugger, c'est pas très intéressant, c'est pas très cool. Mais je vais le faire passer hors caméra, et puis après, bah, une fois qu'il sera ici, on va s'amuser là-haut, là. Je vais aller chercher celui de d'en haut, là. Ou alors je prends celui d'en bas. Écoutez, je vais aller chercher celui d'en haut, là-bas. Il me plaît bien. Donc là, moi, il suffit que j'appuie sur plus, hein, et je monte plus vite, regardez. Ouais. Ouais, sans plus quoi. Sans plus, sans plus. Oh, magnifique. Voilà. Hop. Vraiment, cette map est tout simplement magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ben, j'ai voulu m'approcher trop près de l'arbre parce qu'en fait, regardez, il se déporte le morceau de bois, j'ai pas envie qu'il tombe dans la vallée. Et j'ai encore moins envie qu'il me double. Ce que je vais faire, je vais tenter un truc. Là. Hop. Là. Bah, je pensais pas que ça allait faire ça quand j'allais détacher, mais bon, c'est pas grave. On va aller chercher un deuxième, on va essayer de monter deux directement. Au pire, on peut en monter trois. Hein. Vous mettez deux derrière le truc, derrière le trail, derrière la plaque. Et un avec, avec le trail qui se tire. Et là, je peux vous dire que là... Le tracteur a l'air d'être puissant. Mais celui-là, il est puissant. Donc, il n'y a pas de raison. C'est quand même un... Hop là. Un 6195. Attendez, je suis juste curieux. Deux secondes. Je suis curieux de savoir combien de chevaux il... Chevaux, combien il faut de chevaux. Alors, attendez. Je taille. 175 chevaux. C'est ça à peu près. Mais non. En tout cas, moi j'aime bien. J'étais pas fan de la marque. Je suis pas vraiment fan de la marque. Je vais te dire la vérité. Je suis pas vraiment fan de la marque. Mais là, j'aime bien celui-là en fait. Il est assez sympa. Toche. Et c'est peut-être le fait parce qu'il est. Il est bien modé en fait. D'accord. Je monte sur le tronc d'arbre parce que le morceau de bois, le tracteur ne veut pas tourner. Ah oui. Oui, oui. Mais ça, c'est ma faute. Ça nous est arrivé dans le premier épisode et j'ai pas pensé à envoyer une masse. Hein. Vous me connaissez maintenant. Et j'ai pas pensé à envoyer une masse. J'aurais envoyé une masse. J'aurais été bon en fait. Tout simplement. Donc, normalement j'ai pris ce bon côté pour pouvoir qu'il soit le plus près possible de l'autre. Oh. Excellent, regardez le tracteur, c'est un coup cabané. Comment je peux me débrouiller là? Parce que là, je suis un peu dans la merde en fait. Je crois que je vais pas pouvoir prendre deux par deux. Hein. Bon, je vais en prendre qu'un parce qu'en fait, ouais, je suis en train de penser que j'ai pas ma masse. Et vu que j'ai pas ma masse, il lève déjà du nez avec un, alors avec deux, je vais jamais pouvoir monter là correctement, je vais me prendre tous les arbres. Donc ça va être un peu la misère, vaut mieux en prendre que un, et la prochaine fois je vais lui mettre une énorme masse. Je vais lui mettre une énorme masse devant et puis ça va le faire. Donc pour éviter les conneries, je vais mettre que 6 morceaux de bois dedans, parce que d'habitude on en met tout le temps plein. Avec l'équipe on mettait tout le temps plein d'arbres, et à chaque fois on cabane les camions à arriver au bout d'un moment. Donc. On va mettre là. Je vais me faire un quai ici. 1, 2, 3, 4, même 5. Je crois que c'est 5 qu'il faut mettre dedans. Un camion. Parce que sinon, ça va en faire trop. Peut-être aller chercher l'arbre. L'arbre là-bas, je vais. Ah bah, je vais prendre. Je vais prendre celui-là. Ça fera 6. Ça fera 6. Et puis la moissonneuse, il faut que j'aille gérer la moissonneuse. Il faut que j'aille chercher le camion. Il y a du taf. Il y a du taf. Allez, mon petit. Les petits morceaux de bois, je n'ai pas pensé à mettre la remorque. On roule sur la souche, vas-y couche-te. Oh, ah non, ça c'est pas cool. Parce qu'une souche en vrai, tu le fais pas. Hein. Faut pas nous faire chier, tiens. Voilà. Et au moins, comme ça, il va pas nous casser les bombantes.
C'est dès que je tourne, de toute façon, je suis foutu. Je vais me mettre là. Voilà, ici. Ok. Je vais le ranger. Ah, c'est sûr que celui-là, quand il va avoir sa masse devant, il va être encore plus fort. Donc je dois l'éteindre, non? Ouais, c'est ça. Donc je vais aller chercher mon camion. Donc ça, tout ça, je vous dis, hein, c'est pour le forest mode. Hein. On peut pas choper les gros morceaux de bois que vous avez vu avec ça. Hein. C'est pas la peine, vous pouvez toujours essayer, vous n'arriverez pas. Donc voilà, c'est vraiment important de... Je préfère vous le redire parce qu'il y a des modes qui fonctionnent pour le bois de The Alp et il y en a d'autres qui fonctionnent pour le forest mode. Donc celui-là on va lui faire aussi sa petite beauté, attention. Voilà, hop, et on est arrivé. Voilà, donc c'est parti. Il n'y a vraiment pas de place dans cette ferme, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment il y a... C'est juste, hein. Là, est-ce que mon toit va passer au-dessus? Ouais. C'est vraiment juste de chez Zuch. Juste de chez Zuch, ah. Let's go. La petite voiture de dépannage, toujours là. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Si vous avez un treuil pour sortir. Hop là. Donc là oui on en a parlé à droite, un champ de blé, j'ai du taf, hein, j'ai du taf avec avec tout ça, avec toutes les cultures, j'ai du taf, le bois, c'est vraiment là je suis débordé, hein, c'est vrai que là c'est dommage, je vous dis, hein, que tous les modes ne fonctionnent pas en multi, on aurait pu triper comme pas deux en multi, mais voilà, c'est un peu plus simple, c'est en solo, je suis tout seul, je vous ennuie peut-être. Jamais, je m'en rends désolé, mais voilà, il y a du beau matos et ça, je crois que c'est le plus important. On est là pour le matos, on est là pour le matos. On est là pour le matos. Il y a du beau matos. Ouais, non, c'est. Je vois le matos là que j'ai sur la partie. Ça donne vraiment envie de jouer à bloc, à bloc, à bloc. Que ce soit en solo ou en multi, ça donne vraiment envie. C'est, il est vraiment kiffant le matos. Là. Je vous jure, hein, téléchargez-le. J'ai mis, j'ai dû. Si je dis pas de conneries, j'ai déjà, ouais, j'ai 3/4 des liens. Vous avez presque tous les modes, presque. Parce que les autres, je les ai quand même présentés dans les autres parties, les gars. Je vais pas continuer à vous les donner, hein. Non, mais voilà, vous avez du matos. Il y a quoi jouer, là. Bon, après, je suis vraiment désolé de passer d'un véhicule à un autre, hein. Mais voilà, j'ai pas le choix. Quand on est tout seul, vraiment, on n'a pas le choix. Peut-être le fait, ça peut vous gêner, ça, le fait de passer de la culture à... De passer de la culture à... Au bois, comme ça. On est en plein dans le bois, d'un coup, on passe à la culture. Moi, je trouve pas ça dérangeant, parce qu'en fait, je trouve que ça varie. Si on ferait que du bois, je me dirais, tiens, merde, ça fait chier. C'est que du bois, tout le long, pendant, je sais pas moi, 40 ou 50 minutes, il est là, il fait que du bois, ou pendant 30 minutes. C'est que du bois, c'est un peu galère. Que là en fait tous les 10 minutes on passe, on va voir l'ouvrier, ce qu'il a fait, où il en est. Je trouve ça sympa. Moi je trouve ça sympa. Après, je vous dis, hein, là, je suis obligé de tourner deux épisodes parce que voilà, j'ai envie de vous mettre un petit peu d'épisodes. Et j'ai envie de vous divertir un petit peu. Parce que là, je vous dis, on a été en panne pas mal de temps. Et puis. Et voilà, maintenant ça revient. Alors je me dis. Je vais leur faire plaisir, tout commence à bien fonctionner, il n'y a plus que le problème du micro à régler, et puis hop là, tout est reparti en ordre et comme avant. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de vraiment vous gâter, vous faire plaisir et vous donner envie de jouer à Farming. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, parce qu'on m'a encore posé plein de questions sur Facebook, pour l'instant c'est pas possible les lives en multi. Voilà, je répète, ce n'est pas possible les lives en multi. Mais bientôt, je vous dis, hein, je travaille sur un projet, mais c'est un projet qui va me coûter les yeux de la tête pour moi, mais si je peux jouer avec vous en live et en multi, on verra bien comment ça se passe. Donc à voir. Pour l'instant, bah, je travaille dessus et puis je joue.
dès que je suis prêt, bah, je vous en parle. Et puis je travaille aussi sur le site internet, genre, hein, je suis toujours dessus. Hein. Donc pour sortir un site internet où vous allez pouvoir retrouver dessus les liens d'origine des mods. Un petit peu de publicité pour certains modeurs, ceux que j'aime bien, donc je mettrai directement leur site dessus. Je mettrai mes vidéos, qui est logique, la team, hein, tout avec leur nom, leur d'où ils viennent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font dans la vie, tout. Vous saurez un peu de tout de nous, et puis il y aura votre côté présentation à vous aussi. Il y aura votre côté présentation pour que nous on sache qui est derrière nous à nous soutenir, et voilà quoi. Je pense que ça va être pas mal ça. Pour l'instant, vu que c'est du boulot, on n'a pas envie de sortir un truc à l'arrache, un truc de merde à l'arrache, donc je vais mettre à nous veiller. Attendez, je vais essayer de taquer droit. Hop, non, ça devrait le faire. Ok, c'est bon, ça le fait. Hop, allez, on repart. Voyons, on vient à l'intérieur. En plus, là, il y a le virage. J'ai envie de dire le virage tordu. Hein. Le virage de l'enfer. On va l'appeler le virage de l'enfer. Le virage de l'enfer qui se trouve là-haut, là. Qui va être juste juste après celui-là. Là. Celui-là, il est raide. Celui-là, mais je vous jure, c'est la cata. Je vous l'ai déjà dit dans le premier épisode. Je me répète. Je commence à être vieux, alors je radote. Mais c'est parce que non, il est réellement dur. Là, ça va s'est passé, mais... C'est vrai, et les mecs qui jouent au clavier, mais les mecs, c'est... Vous êtes vraiment balèzes, hein. Franchement, je vous félicite. Ceux qui jouent au clavier, manette, et... Bah, bravo, hein, parce que moi, je joue avec le volant, et déjà, même au volant, j'arrive à me planter, alors je vous dis pas, les mecs, au clavier, manette... Bravo, hein. GG à vous. Là, ça me fait penser que j'ai toujours pas de nouvelles du volant farming, hein. Donc je sais pas si ça sortira ou pas. Franchement, ce sera un bon... Un bon compromis, pourquoi? Tout simplement parce que le G27 il est très bien, mais il a un prix assez élevé. Après il y a des gammes en dessous, mais qui sont plutôt pas mal. Ils sont plutôt pas mal. Mais le volant farming est vraiment bien parce que à la base, normalement, il devrait sortir entre dans un prix plus ou moins 180€. Et ça c'est vraiment intéressant parce que 180€ c'est pas non plus excessif. Et moi je trouve ça bien en fait. Donc j'espère qu'ils vont vraiment sortir ce volant. Ils m'ont dit qu'ils allaient donner des nouvelles sur leur site à eux et sur leur Facebook, mais pour l'instant aucune nouvelle, on sait rien. On ne sait pas s'ils ont réussi à avoir... Putain, je peux vous dire que j'en chie. Hein. Pourtant j'essaye de prendre assez large, mais voilà, ça passe pas tout le temps. Regardez, là je regarde, je suis sûr que ma benne est pas sur le truc, pourtant j'ai pris assez large. Donc voilà. Donc ouais, de toute façon, dès que j'aurai des nouvelles du volant farming, vous inquiétez pas, hein, vous serez les premiers au courant, je vous invertis, je vous dis tout. Ce qui concerne farming, de toute façon, j'essaye de vraiment d'être vraiment en taquet, hein, pour tout vous dire. Bon là, pour l'instant, il y a les photos de farming 2015 qui sont sorties et tout ça, mais ça c'est vraiment pas très intéressant, c'est pas quelque chose de très important, je trouve, à mon goût. Hein. Donc il y a juste qu'à regarder des photos, on va pas faire une vidéo pour ça. Donc voilà. Bah non, moi, il faut que je trouve une solution pour faire un demi-tour sans casser mon camion. Il vaut mieux faire demi-tour maintenant parce qu'après c'est foutu. Vu qu'il y a 4 catégories d'arbres. J'espère qu'il va remonter. Mais fais pas ça. Oh, c'est juste parce qu'il a mis plus de temps. Voilà, donc là j'ai fait demi-tour, maintenant je me mets en position pour que la grue puisse me charger tranquille. Super, on arrête les gyros. Hop. Allez, c'est parti. J'espère que ça va le faire, qu'il va pas bugger, parce que par moment il bug. Le morceau de bois il a tendance à bugger. Ça c'est rien, c'est normal. Hein. Hop. Puis là, quelle facilité. Hein. C'est une pelle qui fonctionne avec... Ah merde, saloperie. Elle est bloquée de sens là, il faut que j'ai fait un tour complet en fait.
ça prouve que c'est bien fait. Hop. On va essayer de tourner la vue. Alors. On va essayer de se mettre droit comme ça. Une fois qu'on sera droit, en fait, on sera peinard. On n'aura plus qu'à gérer la crise. J'ai envie de dire. Est-ce que ça passe? Et ça, franchement, mieux que moi, tu meurs. Non, je rigole. Eh, pilote ou pas pilote là? Attendez, je vais le pousser un peu avec ma chenille. Oh, super Watt! Ok, c'est passé à travers. Hop là. Oh, le pilote. Alors, on va tenter. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. On va appuyer sur X, on va voir. Regardez, le morceau de bois, il bouge un peu quand même. Hein. Il me fait peur, hein, je vous dis, il me fait peur. Allez, hop. Oh là là, il s'emballe. Je crois qu'il s'emballe. On va lui mettre un petit coup comme ça. Hop, bouge pas, fais pas le con. C'est normal parce que je l'ai mal pris en fait. Regardez. Excellent. Je vous dis, hein, toutes les conneries que je réalise ne sont pas forcément à réaliser. Hein. Parce que là, si il fout tout en l'air, je comprends pourquoi. J'ai failli faire une boulette, vous avez vu ou quoi? Oh. Ça c'est parce que je l'ai mal pris. Voilà, c'est ça, jouons dans le pré. Abruti. Donc le mieux c'est de le reposer. Et de bien le reprendre. Bien au milieu, propre. Voilà, là normalement je devrais pas être trop mal, on va baisser. Je l'ai pas repris un peu de travers? Non, tu vois, je pense. Hop. Oh non, si, 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 si. C'est un petit peu bugué, là. Pas facile, mon histoire, là. Mais bon. Pourtant, je l'ai réalisé des centaines de fois. Sans déconner, je l'ai réalisé des centaines de fois avec des gars. Et on a eu des bugs, mais pas comme ça. Pas comme ça, pas comme ça. Jamais comme ça. Là, vraiment... Je pense qu'il s'est dit, allez, il est en vidéo, on va le faire chier, on va le faire chier jusqu'au bout. Ok, hop. On va tourner. Non, oh, ça devrait s'attraper, tac, tac, tac. Ça rentre dedans, quoi, tu vois. Hop, voilà. On va essayer de le choper correctement. Est-ce que là, voilà, là, il est bien. Vous voyez, il bouge pas. Faut vraiment le choper, si vous voulez faire comme ça, chopez-le bien. Et après, une fois qu'il bouge pas en fait, là vous pouvez être sûr que là vous l'avez bien pris. Là je l'avais mal pris hein, jusqu'à présent. Je vais pas dire que c'est le jeu. Faut pas tout le temps mettre la faute sur le jeu. J'ai pas envie de mettre sur la faute sur le jeu. C'était ma faute. Donc voilà, donc j'assume pleinement mes conneries. Hop, je l'ai mal pris, je l'ai vu que j'ai mal pris, mais voilà, j'ai voulu faire le malin. Ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Hop. Je crois qu'il y a une touche N. Voilà. Vous voyez? Si vous appuyez sur N, en fait, ça débloque les... C'est l'autre touche N. Regardez. Hop. Ah non, ça baisse le truc et ça monte le truc. Oh, what? Ah d'accord. Ah non, c'était pas celle-là. C'est parce que je suis pas sur la sélection de la remorque. C'est haut. Regardez, si j'appuie sur... ça débloque le véhicule ou pas? Regardez. Donc comme ça, vous pouvez débloquer la remorque. On sait jamais. Hein. Donc, hop. Je
je vous enlève ça. Donc là, il faut vraiment bien choper le morceau de bois. On va tenter de bien choper, hein, tout simplement. Est-ce que je suis au milieu à peu près là? Là, je suis bien. Non, je suis pas bien. Excellent. Lâche-toi, lâche-toi. Donc vous voyez, hein, faut vraiment. Je vous dis, je préfère vous prévenir parce que au début, je pensais si jamais ça arrive, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, mais j'ai réalisé des centaines de fois, ça m'est rarement arrivé ce genre de truc. Mais je me suis dit, si ça arrive, au début, je me suis dit, tant pis, je changerai de mode et puis je vous montrerai pas. Et après, je me suis dit, vaut mieux que je vous montre parce qu'après, on sait jamais si quelqu'un le télécharge et se dit c'est faisable parce qu'il a fait. Et que après, voilà. Donc je me suis dit, si ça arrive, je garde, je vous le montre. C'est pas une vidéo où, voilà, j'en ai rien à foutre, ça a bugué et puis je reprends pas parce que j'ai pas envie de reprendre. C'est juste une, je vous le montre parce que tout simplement, c'est juste au cas où des personnes se disent, bah voilà, je l'ai montré dans le premier épisode. Et là, finalement, en fait, Et finalement, en fait, vous le téléchargez et puis vous, ça marche pas. Vous allez vous dire bah merde, il s'est foutu notre gueule, JD là. Voilà, c'est là que je voudrais me mettre. Hop là, non. Et je vous jure, c'est pas facile, hein. Essayez, vous allez voir. C'est vraiment pas facile du tout. Après, j'avais une autre solution avec le truc LuxFarm, hein. C'est faisable. Voilà. Tout, hein. Vous prenez le truc de chez LuxArm, vous le mettez dedans et puis, voilà quoi. Ah, c'est parce que je l'ai bloqué, je crois. Comme un con, j'ai bloqué le camion. Ouais, c'est ça. Regardez, j'ai dû bloquer le camion, c'est pour ça que ça a du mal à passer. On a dit que c'était quatre touches N. Non. Oh. Voilà. J'avais bloqué le camion comme un con, alors ça voulait pas rentrer. Et allez, il va descendre tout seul, tranquille, en mode pépère. Ah ouais, ça c'est un truc qu'il faut pas oublier, regardez. Tranquillement, mais sûrement, il longe le bord. Hop. Donc après, si vous voyez que ça sort trop, vous mettez un petit coup de pelle derrière, tac, et ça va les remettre. Donc là, hop, voilà, il s'est mis en place tout seul, tranquille. Faut que je change de place à main, moi, ce... Normalement, elle a dû finir le petit bout là-bas, j'espère. T'es où, ma cocotte? T'es où? Pourquoi je la vois pas? Ah, elle est là-bas. Ah, elle est bien cachée, hein, c'est vallonné, là, c'est... Wow. Ah, super. Super. Donc, je sais pas s'il y a un autre champ en coin. Je vais regarder vite fait, tant que ça vide, j'allais appuyer sur haut alors qu'il faut que je me lance là. Alors, échappe. Alors, est-ce qu'il y a un autre champ tout près? En blisse. Nous, on est où déjà? Donc, nous, on est ici dans celui-là, non? Ouais, on est ici. Et en fait, on a besoin d'aller... Je sais pas c'est quoi tous ces trucs jaunes là, mais y a rien, je vous jure, y a rien. Ah bah y a un champ juste en haut à côté, soi-disant. Oh d'accord, ça dit que ça a du blé là. D'accord. On est... Regardez, on est ici, dans celui-là. D'accord. Regardez. On est ici, d'accord. On est dans la parcelle là. Quand on regarde la mini carte, donc on est ici et là il dit qu'il y a du blé, mais où? Non, si c'est ça, je sais pas, en fait on peut pas se fier à la carte, en fait faut se démerder tout seul quoi. Là c'est de l'herbe. Donc comment je vais savoir où il y a du blé et tout ça, moi? Ah si, il a l'air d'avoir quelque chose en haut là. Non,
c'est des arbres, il n'y a pas de... On va aller voir, on va aller voir. Putain, on va éviter de couper à travers l'herbe quand même. On va pas aller aplatir l'herbe. Allez, on vient à l'intérieur. Normalement, il doit... là, il y a du maïs. Ah, il y a l'air d'avoir quelque chose en haut là. Non, 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 mais non, il n'y a rien. Là, mais ça c'est du maïs, ça c'est du maïs. Je crois qu'il y a du maïs là aussi. Et là, c'est du maïs. Merde alors. Ça, c'est cool, hein. Si tout ça c'est du maïs, il n'y a plus de blé après. Normalement après ça mène en forêt donc. Voilà, j'étais à deux doigts d'avoir un accident encore. Donc il n'y a plus de blé ici. Je dis pas de conneries. Donc ce que je vais faire, bah, je... Non, j'ai pas mon plateau de barre de coupe parce que sinon j'aurais été la mettre, là-bas. Je sais, il y en a un de l'autre côté de la rivière. Pas de l'autre côté de cette rivière-là, mais de ce côté ici, mais faut passer un petit chemin assez bizarroïde. On va passer à travers champ parce que pour pas prendre les voitures sur la route, parce qu'en fait, il y a énormément de voitures. Il y a pas mal de voitures qui passent. Je crois que c'est ça, ouais. On doit continuer tout droit. J'entends réfléchir en même temps et... Ça, c'est pas très bon, ça. C'est pas bon du tout. En haut, là-bas, il y a du maïs. Ah, parce que je vous dis, on peut pas s'y aller à la carte. Elle dit n'importe quoi, la carte. La mini-carte dit n'importe quoi. Mais je sais que si on continue tout droit, là, il y a du maïs, c'est pas. Ça. Hop, non, excusez-moi. Donc là, il y a du maïs. Ça, après il y a du blé. Je sais pas si les cultures pourrissent dessus ou pas, ou s'il faut faire une modification dans le truc de map. Faut pas que ça pourrisse. Ah bien sûr, le blé est de l'autre côté là. Je suis passé à travers la montagne. J'ai tenté de passer à travers la montagne. Si la moissonneuse veut bien monter. Parce que par la route on peut pas. Par la route on peut pas tout simplement parce que... Parce qu'en fait c'est un chemin, c'est un pont en bois. Voilà, le champ est là. Voilà. C'est un pont en bois en fait, regardez. Quand voulez-tu que je voulez-vous que je passe avec une moissonneuse sur un pont comme ça. Et donc sinon on est à l'entrée du champ. Qu'on peut prendre par le... Comment dire merde. Par là où on achète le matos, dans le magasin. Et donc, si on achète... si on passe par là-bas, il faut aussi, c'est un pont, et donc il faut aussi le porte-coupe. La remorque porte-coupe, et je l'ai pas. Je sais pas laquelle prendre encore, je sais pas laquelle que je vais prendre, si je prends celle de Luxor ou pas. Parce que je veux un qui où la barre de coupe s'attache dessus. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, on n'est pas emmerdé, et comme ça, il n'y a pas de risque étant. Parce que là, passer là... passer là, même avec mon 4x4, je passe pas de façon. Donc il faut passer, ouais, là, le chemin en face, tout simplement. Je suis en train de vous montrer du doigt, mais c'est vrai que vous ne me voyez pas. Lol. De frotter le bord, attention, je mets le pied sur le frein au cas où. Je fais un petit détourage. J'aurais même pu le faucher moi-même.
Ouais, c'est vrai que j'aurais pu le faucher moi-même. Si je mets un ouvrier, il va partir dans quel sens? Comment il va se démerder là? Je sais pas trop. Je sais comment je vais me débrouiller. J'ai fait un champ en carré. Là, c'était pas prévu la virgule là, les mecs. Voilà, je vais faire droit là. Tout simplement comme ça, l'ouvrier sera tout en droit en fait. Je vais faire le petit bout là. Et comme ça, moi, je vais pouvoir passer à autre chose. Et l'ouvrier va pouvoir bosser. Je mets pas l'auto-contour, le machin, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, je le mets pas parce que voilà, je sais pas m'en servir. J'ai pas spécialement envie de savoir m'en servir en fait. J'aime bien faire les choses moi-même. D'habitude, je mets pas autant d'ouvriers. Mais là, c'est pour vous montrer un petit peu de tout, c'est pour ça. Sinon, d'habitude, ouais, j'aime bien faire mes trucs tranquilles, en mode pépère. Je me mets comme ça, j'écoute de la musique quand j'ai fini le boulot, histoire de vous préparer les épisodes. Je me mets là, je mets la musique à bloc. Et je vous prépare les futures vidéos comme ça, tranquille, en mode pépère. Et j'aime bien le faire moi-même parce que je sais pas, ça me détend, je suis bien. Surtout avec de la bonne musique là, je peux vous dire, ça vous met dans une ambiance, dans une bonne ambiance. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'élection. Ouais, j'ai oublié de mettre la Montana, celle qui a des roues où on peut régler. Elle est vraiment géniale en plus celle-là. Une vitesse parce que c'est plus simple, parce que sans vitesse au pied ça va, mais il y a des moments où vous avez tendance un petit peu à avoir un peu le pied lourd en fait, tout simplement. Donc, putain merde, c'est vrai qu'elle est longue celle-là, il faut attendre au bout à chaque fois, elle est longue. Allez mon petit. Génial, non? Comme ça là on est sûr que l'ouvrier va aller droit. Et on sera pas emmerdé tous les 5 secondes à venir lui dire, tiens merde, il y a un embout comme ça, dépêche-toi, viens là. Merci pour celui qui va presser. Hein. Vous voyez ce que je dis, ce que j'étais en train de dire, pied lourd. Donc vous allez voir, je vais mettre l'ouvrier. Et normalement, il devrait se mettre dans le sens où le champ a été... le champ a une sorte de sens en fait pour être récolté, vous allez voir. Si je me mets mal, normalement l'ouvrier va tourner dans tous les sens. Voilà, regardez. Donc normalement l'énigme, voilà, l'énigme sont dans ce sens-là, donc lui il veut travailler dans ce sens-là. Et là ça m'arrange pas parce que j'aime me faire chier à faire le bout là, quoi. Mais en fait, voilà, le champ a été fait pour être récolté dans ce sens-là. Si on mettait un ouvrier. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ça ou pas. Moi c'est la deuxième fois. Sur un map tournant 9, c'était pareil. Je pouvais pas labourer, créer un champ dans un autre sens. Le moteur avait fait que quand on crée un champ, ça allait dans ce sens là. Vous avez bon créé un champ dans l'autre sens, ça prenait pas, ou un peu de travers, ça prenait pas. Il fallait vraiment être dans le sens que le moteur avait décidé. Et là c'est exactement pareil. Vous avez vu que la machine elle a les roues en fait ça. Alors je vous dis ça parce que j'ai déjà réalisé des dizaines de fois aussi, et à chaque fois la machine s'est mise dans un sens que moi je voulais pas. Alors je sais pas pourquoi c'est ça. Bah ouais, vas-y, je te prends un arbre et tout. Wow. Ok, moi je vais bah, j'étais bien. Je vais tenter de continuer mes conneries là. J'ai envie de dire mes conneries. Avec ma petite pelle, tranquille, en mode pépère. Hop. Moi il faut vraiment que je récolte pas mal de choses. Je vous dis, je vais faire pas mal de choses hors vidéo. Tout simplement pourquoi pour essayer de vous montrer. Il faut vraiment que je mette mon truc. Attendez. Ah oui. Ça, je vais me décaler. Je vais essayer de bien le choper celui-là.
Parce que si je les prends mal, hein, on a vu ce que ça fait direct. Donc, attendez, est-ce que je suis au milieu là? Voilà. Est-ce que je suis bien au milieu? Je suis pas trop mal, attendez. Oh, je crois que c'est bon. Oh, ça bouge un petit peu, hein. Ouais, ça bouge un petit peu. Je vais relâcher la pression, je vais le relâcher et je vais le reprendre. Ça bouge encore un petit peu, je trouve. Beaucoup, 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 beaucoup. Bon, c'est pas adapté, hein. Je crois pas que c'est adapté. Je crois pas que c'est adapté sur mon truc là. C'est pas adapté du tout. Au pire, ne le faites pas. Ou essayez, vous allez voir. Mais moi j'aime bien parce que voilà, ça donne un petit côté sympa en fait. Beaucoup plus sympa au jeu. Même puis ça nous apprend un petit peu à travailler avec le matos. On n'est pas censé le prendre au bout et que ça charge direct non plus. J'ai besoin de réaliser plus d'expérience avec mon matos. Tout ce qui est manutention. J'ai besoin vraiment de travailler un petit peu plus là-dessus. C'est pour ça que je pense faire Beau Simulator 2015. Franchement, je pense le faire parce que je l'avais vu à la Gamescom, j'avais joué avec. Waouh, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je vous jure que j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé, ce jeu est magnifique. Il est super bien fait. Donc je pense qu'il y aura du Beau Simulator sur ma chaîne. Ça, c'est clair et net. Ainsi que du farming et du farming et du farming. Mais ouais, du Beau Simulator, je pense le mettre, ouais, parce que franchement, au moins la présentation, et voilà, ouais, mais j'ai trop kiffé, quoi. Trop, trop kiffé. Hop. Oh, la mousse batte, elle se remplit vite, là. Pas pressé d'aller non plus. On va prendre notre temps. De toute façon, je pense que je vais prendre encore un petit peu d'argent. Ce sera la dernière fois que je vais prendre de l'argent. Je vais prendre un petit peu d'argent histoire de vous montrer le Dutch là. Ça va faire plaisir à Alex FCSB comme le FC Barcelone. Ça va lui faire plaisir. Il m'a demandé du Dutch. J'ai tenté de le mettre en live mais j'arrivais pas. Oh là là. Il faut que je le pose, j'arrête pas de cogner dans mon machin. Ouais, ouais, je te pose. Regardez, je l'ai chopé un peu n'importe comment, mais c'est parce qu'il est sur le morceau de bois. Allez, fais pas chier, va. C'est marrant. Moi, je m'éclate quand même, hein. Même si c'est pas très réaliste, je m'éclate quand même parce que le truc, c'est pas optimisé à bloc, ce truc, hein. Alors, est-ce que ça passe? Peut-être qu'il faudrait que je trouve une autre pince. Eh, peut-être avec une autre pince qui s'adapte à ma pelle, ça pourrait être plutôt pas mal. Ça pourrait être pas mal. Hop. Non. Je fais que des conneries. Mais là, ça veut plus. Pourquoi ça veut plus? Parce que je suis pas comment dire. Attendez, je vais le baisser à bloc. Et peut-être. Peut-être que je me mets mal en fait. Il faut vraiment que je baisse bien le truc. Pourtant sur s'il est sur une fourche, j'aime même sur la fourche, on essaiera, vous allez voir. Sur la fourche, c'est vraiment agréable. Ça marche super bien sur la fourche. Et là c'est vrai que sur la pelle, ça marche pas top top. Normalement là à la base je devrais virer le camion parce qu'il va avoir un accident, c'est sûr. Est-ce que ça passe comme ça ou il faut que... Ouais bah faut descendre mon gars parce qu'il y a tout qui se décharge là. C'est haut non? De vous mettre de la vue dans les sapins. Hop.
J'ai hâte d'arriver au Forest Mode. Vous allez voir, avec le Forest Mode, avec les modes que je vous ai trouvé pour le Forest Mode, là ça va être vraiment génial. Donc après, il suffira de se mettre comme ça, là, avec la pelle. Et on recule. Et je pense que ça devrait le faire. Normalement, si je dis pas de conneries. Hop. Voilà. Là, on va pas le faire, on va pas le faire, on va pas le faire, parce que là, vu que le truc, il est attaché. Ouais. Donc voilà. Donc super. Donc nickel, moi je vais juste aller voir ma Moisbat. Ah non, mon traiteur. Ouais. Mon traiteur. J'aurais dû acheter un autre. J'ai dit que j'allais acheter un autre. Attendez, je vais acheter un autre. Je vais acheter mon Dutch, je lui ai dit que j'allais l'acheter. Donc je vais l'acheter. Mode. Donc j'ai besoin d'un petit peu d'argent. Un tout petit peu d'argent. Donc je vais pas prendre beaucoup d'argent parce que je vais pas continuer à tricher. Donc ce mode il est vraiment génial, regardez, hop, allez, 250 000, ouais j'achète, allez, d'accord. Donc ouais, c'est vraiment génial, attendez, je suis passé les modes à dire des conneries. Hop, acheter. Et je vais prendre une remorque assez sympathique, la verte là, comme ça, vu qu'elle prend le... Attendez, lui on va l'arrêter parce qu'il... Il est quand même assez chiant. Voilà. Hop. Le pauvre, il bouffe du gasoil. Alors, mon petit Dutch, t'es où? Ah, yeah, baby. Regardez. C'est sympa. Regardez le cultivateur. Gregory Besant. Le lien dans la description. Ah, il est sympathique, hein. Franchement sympathique comme tout. Oh la vache, je vais aller par là. Oh là là, je vais aller à l'intérieur. Oh non, le con, il arrive pas à la prendre. Non, me dis pas que tu vas pas être contente avec ta remorque là, trop lourde. Non, t'es sérieux? Ah si. Pour les 2 secondes, je vais lui acheter une masse. Parce que le pauvre, il n'arrive pas à tirer une petite remorque comme ça. C'est bien dommage. Celui-là est trop beau, on va le tester, on va le tester. Dans les prochains épisodes, on va le tester. Attendez, je vais m'acheter une masse. C'est plus des tests de mode en fait quand on regarde là. Hein. Une petite masse bien sympathique. On va prendre une masse normale. La grosse noire, j'aime pas. C'est normal. On va prendre ça, vite, péter la benne. J'ai vraiment envie d'accélérer le temps. J'essaierai ça dans les prochains épisodes. Vraiment envie d'accélérer le temps pour... Ah non, le con, il prend même pas une masse, abruti de machin. Et allez, il est levé là. What the fuck? Non, je sais. Bon, écoutez, elle est trop lourde. On va prendre une comme ça, acheter, voiture. T'es sérieux, il arrive même pas à lever la masse. Alors, est-ce que là, il arrive à lever la masse? C'est une grosse blague, ce tracteur. Eh, vous savez quoi? Celui-là, il va servir pour le transport avec la petite benne. Hein, la petite benne qui se trouve là, là. Ou alors je peux peut-être lui mettre le broyeur et encore. Oui, il a des problèmes de relevage, hein. C'est bizarre. J'avais jamais rien mis sur le relevage avant, donc... voilà. Voilà, ton nouveau pote, c'est le broyeur. Super. Bah voilà, c'est mon tracteur pour broyer. Je vais le mettre là. Place là, voilà. Merde, faut l'arrêter. Voilà, nickel. Et donc, bah maintenant je suis dans la merde. Je suis dans la merde, j'ai pas de tracteur. J'ai 110 000. Est-ce que je tente un nouveau tracteur? 110 000. J'y suis là, il est beau, hein.
Celui-là, c'est pour aller avec le des chômeurs et des petits trucs comme ça. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'acheter un nouveau tracteur parce que. Parce que si j'achète un nouveau tracteur, ça fait un peu con quand même. Je veux dire, ça va faire énormément de tracteurs. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, bah, on fera encore un petit peu de bois. Hein, le temps qu'il y a encore des cultures. Je vais déchaumer les champs. Le petit champ que là où on est en train de faire, on va le déchaumer la prochaine fois. Avec celui-là, comme ça on va tester celui-là, on va vraiment tester ça. Après on ira broyer un petit peu, histoire de pas attaquer le forest mode tout de suite non plus, et puis histoire de bien avancer correctement sur la map. J'ai vraiment envie de bien la réaliser cette map-là. J'ai envie de la cette carrière. J'ai vraiment envie qu'elle soit bien réalisée, même si j'ai laissé là le bug d'aujourd'hui avec la FPL. Mais je vous dis, hein, c'est juste pour vous montrer que bah voilà, il y a des failles, il y a un petit peu de temps en temps il y a des failles comme ça. Il faut pas croire. Ça arrive tout le temps sur Farming. Donc c'est pour vraiment montrer que d'être sûr que vous avez compris que bah voilà, des épisodes, des vidéos, ça se prépare pas en 3 minutes et top chrono. Hein. Si on veut vraiment bien les réaliser, faut vraiment prendre son temps et bien travailler et avoir confiance en une équipe et tout ça. C'est pour ça que je demande beaucoup de respect envers nous, et parce que nous on en a beaucoup envers vous, parce que voilà, nous un truc qui va pas, on va tenter de le refaire plusieurs fois jusqu'à que ça marche réellement, juste pour ben voilà, pour avoir un sourire de votre part, et ça on aime, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et ciao. Allez, salut tout le monde.